Bonjour, bonjour. Hop. On est vendredi et le vendredi c'est le petit live détente. Petit live détente du vendredi. Ah oui, comme c'est vendredi. On fait le tour du monde en simulation de vol avec X-Plane 11. On est actuellement à Wallis et Futuna en plein dans l'océan Pacifique. J'allais dire Atlantique. Océan Pacifique. Et aujourd'hui on va au Tuvalu. Salut Docteur Pi, salut Félix. Bon bah comme d'hab, on démarre là-bas, c'est la nuit hein. Actuellement c'est la nuit, donc je trichote un petit peu pour avancer un peu l'horaire pour que ça soit le matin, ou qu'on soit pas trop loin du matin. J'ai peut-être été un peu fort. On est dans l'aérogare hein. Ah, c'est normal, ça caille. Pop. Alors les Tuvalu, c'est un pays, hein, pays qui fait partie du Commonwealth. Vous en avez forcément entendu parler de ce pays, au moins au niveau de la terminaison des URL, des adresses internet. Vous savez, par exemple, les sites français, c'est .fr. Et bien, les Tuvalu, c'est .tv. Donc, Twitch.tv, c'est un site internet des Tuvalu. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On va regarder la météo. On est où? On est là. Ifo sur l'île de Wallis. C'est le temps à 12h30 Zulu. Donc d'il y a une demi-heure. Vent du 0,60 à 8 nœuds. Variable 0,30. Bonne visibilité. Petite pluie. Il pluviote. Moins RA. Few 1300. Donc quelques nuages à 1300 pieds. Nuage épars à 3700 pieds, c'est cassé à 5400 pieds, 27 degrés, pour en pleine nuit. QNH 1007. Ouais, puis temporairement SHRA, donc averse de pluie. Broken 10, avec des cumulonimbus. Bon, c'est les orages de pleine nuit, quoi, il fait chaud. C'est les tropiques, hein. C'est les tropiques, ça cartonne. Et on va Funafuti, Tuvalu. Vent du 0,70 à 10 nœuds, bonne visibilité. Quelques nuages 1800 pieds. TCU, c'est des tours de cumulonimbus. C'est des petits cumulonimbus qui sont en train de naître. Et c'est nuage épars à 30 000 pieds. Donc au niveau 300, à peu près, plus ou moins. Sachant que c'est au QNH 1007. Donc ça peut varier en fait. Et il fait 29 degrés. Bon, et ben c'est orageux. C'est orageux. On va repasser l'antiméridien. C'est-à-dire on va changer de... Vous savez ce qui se passe à l'antiméridien. L'antiméridien, c'est le 180 degrés. Hein, c'est celui qui est en face du 0 degré. Le méridien de Greenwich. Qui était en bagarre avec le méridien de Paris, il y a eu une bagarre, on a perdu, donc maintenant c'est le méridien de Greenwich. Pour être au niveau 0, pour avoir le titre de 0. Déjà les gars ils se bataillent pour avoir le... Ouais, c'est moi 0, c'est moi 0, c'est moi le nul. Bon, non c'était plus important que ça. Bien entendu. Donc là on va repasser de l'autre côté, donc on va rechanger de date. Alors c'est que du survol maritime, c'est pas un vol très long. 1h03, donc on va pas aller très vite. Alors s'il y a des nuages à 300, on va peut-être pas monter aussi haut, et on est en paire, donc on va peut-être voler au niveau 280, un truc comme ça. Ça va mal finir cette histoire. Le truc, c'est qu'on a un vol au départ.
Mais à l'arrivée, donc on devrait pas le. Il y a 400 nautiques, hein, donc on va le perdre en cours de route. À l'arrivée, il n'y a pas de vore, il y a un DME, il y a juste un ADF. Donc souvent, ceux-là, ils n'ont pas une portée phénoménale. Hein. Ces trucs-là n'ont pas une portée. Toc, toc, toc. Alors, l'autre caractéristique des Tuvalu, c'est que eh ben déjà là où il y a la plupart des habitants, c'est ici. Hein. c'est un atoll. C'est un atoll. Et cet atoll-là, vous allez dire, normalement les atolls c'est bien rond. Ouais. Sauf que si vous regardez un peu, bah rien que l'altitude du terrain, élévation 4 pieds. C'est-à-dire moins un petit peu plus d'un mètre au-dessus du niveau moyen de la mer. Bon, le niveau moyen du sol est à 3 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. C'est un pays qui est en train de disparaître. Et donc cet atoll-là, bah, il est à moitié sous les flots. Quoi. Il n'y a plus que ce bout-là qui reste. Alors, Tuvalu, dans leur langue du coin, ça veut dire 8, 8 pays qui sont ensemble. Donc il y a 8... Alors en fait, il y en a 9. Parce qu'ils ont dû en rajouter un après. Donc il y a 9, 9 trucs. Et ça forme une espèce de royaume. Donc la reine, c'est la reine d'Angleterre. Hein, puisque ça fait partie du Commonwealth. Hein. Vous verrez leur drapeau, c'est original. Il y a le drapeau anglais, quoi. Bon, voilà. L'autre problème. Bon, déjà, c'est donc le premier problème de le trouver. Deuxième problème, la longueur de la piste. 5050 pieds, ça fait 1500 mètres. On est en dessous des minima du 727, hein. Enfin, des minima officiels. On a déjà atterri sur des pistes courtes. Là, c'est vraiment du très court. Et si on se loupe, si on atterrit en 03 et qu'on se loupe, c'est la baignade pour le 727. Si c'est de l'autre côté, on peut éventuellement faire un petit whoosh, whoosh, et finir sur la route. Là, il y a encore un bout de ligne droite juste arrivé ici, là, au bout, où après, il n'y a plus rien. Salut, petit Luc. Donc, ça va être assez amusant, cette affaire. On est d'accord que ça va être épique. Donc, on a dit combien l'altitude? 4 pieds. La piste, c'est une 0,321 avec un QFU à 0,32. Donc 212. Hop. Et alors comme balise, il n'y a pas grand chose. On a donc un ADF Fox Uniforme qui émet sur 340. Et un DME sur 113 30. Avec ça on peut quand même faire une arrivée IFR, hein. 113 30. Voilà, bon ben le reste c'est assez simple. La route magnétique, c'est du 305 sur 392 nautiques. Ça nous donne un temps de vol de 49 minutes, mais on va pas voler à cette vitesse-là, hein. On va pas mettre la pêche. Ouais, 52 minutes. Mais il y a le temps de la montée, tout ça. Salut Psydes. Il va falloir changer les plaquettes de frein de l'avion. Bah, on va faire un atterrissage en max, hein. Freinage automatique max. Toujours nuit. J'ai peut-être été un peu fort avec le temps. Oh, sinon on fait un décollage de nuit. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir à Wallis. Hein. Et comme ça, ça nous évitera de voir la, ça nous évitera de voir la mer. Ça nous évitera de voir la fin de la piste.
Quoique la fin de la piste. Elle est marquée quand même, hein. Et de l'autre côté aussi. Il y a les petites raies rouges là. C'est pas très bon signe ça, madame. Tiens, on va ouvrir le. On va descendre la porte pour que vous puissiez monter. Salut Hotbug. T'as pris le maillot de bain, petit Luc? Ouais. Prends aussi un parachute. Bon, c'est parti, on va y aller doucement, hein. De toute façon, on n'est pas pressé. Alors, on a fait la météo, on a fait le plan de vol, qui était assez hyper simple. Il n'y a pas d'Atis hein, sur Wallis. Non, faudra se prendre la... Tac, tac, tac. Faudra se prendre le... la météo ici. Bon, on peut la regarder, la météo, ici. Hein. Wallis. Météo. Bord du 0,98 à 7 nœuds. La pression, 29,74. 1007 hectopascal. Et il nous dit la meilleure piste 08. Vent du 0,98, ouais, c'est la 08 en service. Hop. Bonjour, de nuit sur une petite île perdue dans l'océan. Heureusement que j'ai mon brevet 50 mètres. Comment ça, c'est pas assez? Ça dépend, hein, si on touche et qu'on tombe... Alors on atterrit ici et là ploup 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 on finit ici. Le brevet 50 mètres devrait suffire. Après c'est un atoll, ah c'est des corails et tout. Un atoll c'est une île corallienne. Donc faut en profiter pendant encore quelques années, elle va être là. Après elle va disparaître. Je suis pas sûr qu'on arrive à. On n'arrivera à rien. C'est cuit, ça va disparaître. C'est un des premiers pays. Entre guillemets, qui disparaîtra. Alors, ah oui, on le voit le truc là. Il est dessiné ici. Ah ouais, pop, 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 pop. Ça fait des pointillés. Alors, c'est un pays, il n'y a pas de, il a aucune ressource. Il dépend complètement de l'extérieur. Et pourtant, c'était habité depuis très, 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 très longtemps. Bon, à une époque, ils avaient plus de terrain. Et puis, bon, ils vivaient des fruits et autres. Maintenant, comme l'eau est montée, il y a du sel partout. Donc, il n'y a quasiment plus rien qui pousse avec du mal. C'est. Salut Jewan, salut Extra. Pop, pop. Il y a déjà quelques îles aux Maldives qui ont disparu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'était des îles. Là, je pense que c'est le pays, les 8 îles, parce que les 8 îles sont du même tonneau, hein. Là, il y a quasiment pas de relief, hein. Donc elles sont toutes pareilles, alors elles sont toutes habitées. Bon là, il doit y avoir 4 ou 5 personnes, quoi. Donc s'il y a une élévation, bah, ça s'élève de 3 mètres, pouf, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pays, le pays disparaît. Alors après, pays, notion de pays, hein. C'est autre chose. Pop, pop. Ouais, bah, c'est quelque part. Faut bien en parler. C'est bien d'en parler. Avant, elles étaient jointives. Ouais, bah, du temps du Gondwana. Non, tu parles des petites îles de l'atoll. L'atoll devait faire un seul truc. Un seul. Il devait bien faire un beau cercle. Probablement, ouais. Salut ma gauche slasher. Bon. Bon, on a fait le point météo. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est bon. Il pleut sur Wallis.
Il pleut sur Wallis, enfin petite pluie averse. Comme c'est parti, on va décoller de nuit. Je sais pas ce que j'ai fait avec le réglage du jour. Mais ça va être bon, non? Il va bien finir par se lever le jour, non? On a qu'une heure de vol, donc faudrait pas atterrir de nuit. Combien j'ai mis? J'ai mis 4h18. Ouais. Oui, on va atterrir deux jours. Allez, je remets 4h18. C'est bien, c'est sympa. Je trouve sympa le truc. J'aime bien voler de nuit. Donc on annule. Voilà, on est bon. J'ai trouvé une vieille photo datant de ta jeunesse en noir et blanc. Pap. Petit voyou. Bon. La lampe torche, il va nous falloir ça hein, pour s'y retrouver là-dedans. On va déjà brancher la batterie. Hop. On va demander le groupe sol. Voilà, on a du jus. Du coup, ça doit être éclairé là. Ouais, c'est un peu éclairé. Vous allez pouvoir vous installer doucettement. Décollage normalement prévu à 16h, donc local. 16h, heure de Paris. Local 5h. 5h du matin local. T'aimes bien le noir et blanc. ouais. Allez, on va régler les fréquences. En communication, il n'y a rien. Au niveau VOR, eh ben, on a le VOR 113. C'est celui du point de départ, je crois. Bon, c'est un peu gros, ça, madame. Donc 113, hôtel Oscar India. Ah, j'ai fait une bêtise. C'est bien moi ça. Donc 113, il n'y a que ça. Au niveau ADF. Euh, 315, c'est celui à l'arrivée. Bon, on va le garder. Et en deuxième, on va mettre celui de Funafuti. Funafuti qui est sur 340. Et puis on aura un DME quand même sur 113-30. Donc un DME c'est comme un VOR, sauf qu'on n'a pas la notion de radial. On aura, devrait avoir la, je suis pas sûr qu'on ait la notion de direction, mais on aura la notion de distance. On a peut-être la notion de direction, remarque hein. Salut DNGD. La Terre d'ici 2050 risque bien de changer de physionomie. Ouais, je pense que... Oui, oui, 2050... 2050, ça fait 28 ans. Hein. Il peut s'en passer des choses en 28 ans. Hein. Donc 113, et puis 113-30. Euh, 340... Je sais pas si ça sert à quelque chose de le mettre en... Ah si, pour... Si, remarque. Si, on peut. On peut. Bon, ben au niveau nav, c'est bon. Plop, 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 plop.
Quelle va être la piste en service? C'est la 08, donc c'est 078. Plaque, plaque. Puis au passage, T'attends la météorite de 2026? Wow, elle nous fera que nous frôler. Tu sais que des météorites, il y en a souvent. Il y a souvent qui viennent nous impacter, mais... Il y en a des plus grosses qui passent plus ou moins loin. Plutôt loin, normalement, plutôt loin. Alors, on est combien? On est 18. On charge la first class. Il va me falloir deux volontaires. Bon, comme d'hab, je vous mets au fond. C'est qui? C'est J1 et Félix à chaque fois. Hein. Les deux. Oh, tiens, on va emmener un peu de cargo. Ah ouais, 567 kilos. Paf. Non, il faut qu'on voyage léger. On va pas emmener de marchandises. Il faut qu'on voyage léger parce que la piste. Donc, si vous avez pas suivi le briefing, la piste des Tuvalu, de Funafuti ou Funafuti, je ne sais plus. Est très courte, est très 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 courte, elle fait 1500 mètres, 5000 pieds, ça va être très 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 courte. Trip distance, je sais pas ce que c'est que leur histoire de triple. Nous on est censé faire un petit 392 nautiques, 400 nautiques. Imaginons qu'on soit obligé de faire demi-tour, je pense qu'au niveau sécurité, il faut au moins qu'on emmène de quoi faire 800. Plus 10%, 876, voilà. Chewan, il nous fait la description de la piste. L'absence d'éclairage de piste, de radio VHF minimale et d'équipement de navigation aérienne signifie que les opérations sont limitées aux heures de clarté. La piste a été à l'origine construite en utilisant des agrégats de corail et possède une sous-couche de gravier de corail de 8 cm d'épaisseur recouverte d'un joint à copeaux d'asphalte de 1 à 2 cm. Il a été refait surface en 92. La surface a dû être refaite en 92 et la piste avait une capacité d'atterrissage de 50 tonnes. Elle a été réduite à... À combien ? À 20 tonnes. Attends, on pèse combien nous? On pèse 51 tonnes. Grosse vecte. Grosse vecte toi-même. Mais landing vecte, on sera à 83 tonnes. Oh, c'est bon. C'est bon, 43 tonnes, c'est... Alors que c'est limité à 20 tonnes, c'est bon, ça passe. Ça passe complètement. Donc on a un centre de gravité qui est à 30%. Peut-être qu'on a trop chargé à l'avant, les gars. Est-ce qu'il y a des volontaires avec réduction du billet pour aller en économique? Parce que là, 30%, on n'a jamais volé avec 30%. Je pense qu'on est dans le domaine de vol, hein, de toute façon. Hein, puisque c'est le trait bleu, je sais pas si vous le voyez, il est là. Encadré entre les deux traits rouges. Ça va entre 10 et 42. On est à 30%, c'est bon. Hein. Xtra veut bien. Bon. Voilà. Xtra se dévoue. On va le mettre à l'arrière. Ah, ça va être la fête à l'arrière. Hein. Ah, du coup, on a augmenté. Si on a droit à une coupe de champagne, Mago veut bien passer en économique. On pourra décoller la semaine pro. Ouais, Hotbug demande si on parle de la piste courte pour atterrir, mais est-ce qu'on pourra décoller? Oui, on pourra. Bien sûr qu'on pourra. Bien sûr qu'on va pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc l'anglais take off. Take off.
La V1 est à 104, la V2 est à 116, donc montée initiale vers dans les 136 nœuds. Pop, 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 classique. Allez, on set les bugs. Et on met... Compensateur. Y a-t-il un risque de, que l'atterrissage se fasse sur le ventre parce que les capacités de sortie risquent d'être réduites? Non, 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 ça devrait être bon. Non, ça devrait être bon. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Sélecteur d'altitude. Bah comme il fait nuit et qu'il y a... On va avoir l'autorisation... Illico de montée, on a dit qu'on volait à 2800. Niveau de vol 280, donc 28 000. 28 000 pieds. Et bah on a mis le truc qui va bien. Pop, pop, pop. Alors on va décoller de la 08. Donc on décolle comme ça. Plop, 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 plop. Ça voudrait dire que... On se fera un virage à... Virage à droite. Pour revenir refaire une verticale terrain. On prendra un top à ce moment-là. Et on s'alignera correctement sur le bord. Ah, il faut que je mette à jour le... Créer le plan de vol, charger un plan de vol, valider le plan de vol. On repasse l'anti-méridien, hein, donc et je sors du site. Donc ça c'est fait. Alors altimètre. On a dit combien? 29,74. On est à 100 pieds. Hop. Alors niveau pression cabine. Non, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc on a dit 28. 28 000. Atterrissage à 0. Ça existe? Ah oui, on peut. On peut. Est-ce qu'on peut aller en dessous? Non, on peut pas descendre en dessous. On peut pas atterrir aux Pays-Bas, on peut pas. On peut pas aller aux Pays-Bas, c'est interdit. Bon, on est bien sur ground. Oula, attends, 28. On est bien en automatique, 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 automatique. Les portes. On va les fermer. Allez, on va tester, on va les fermer aux 3/4. Hop. Les packs sont fermés, Gasper fermé, engine APU blude, hop, on isole les moteurs et l'APU. Donc, fin de l'embarquement. Transpondeur. C'est notre 10e vol. Donc 12.
On halt. Radar météo. Décasse. Chauffage window. Chauffage des fenêtres. TCAS test. Pass. Tais-toi. Chauffage pitot. À 27 degrés. Mais bon, on va monter haut, ça va cailler. Et on démarre la PU. Ah non, c'est trip. Trip, trip, trip. Allez. Merci Joanne pour le 32e mois d'abonnement. Un gros bec, deux gros becs niveau 2. Gros bec, gros bec, gros bec. Un de ces quatre, il faudra faire la procédure avec tous les tests. Là, je chante tous les tests. Hein. On n'est pas en réel, hein, donc on va pas s'enquiquiner avec tout ça. Hein. Voilà, la PU est démarrée. Hop. Donc l'external power s'est déconnecté. On met essentiel power sur APU. Et on peut dire bye bye au groupe sol. Au passage, on vérifie la température ici. Bon, elle va commencer à monter là. Pour l'instant, c'est bon. Alors, on ouvre. Ok, ok. Alors, on va démarrer les moteurs. Forward, forward. Ouais, c'est pas, c'est pareil, je pense. On ouvre trois pompes. On démarre le 3. Non, le 2. La lumière est allumée. Le N2 monte. Le réglage de nuit, non, on l'a déjà fait une fois. Hop. Je trouve ça sympa. Donc le réacteur s'est bien allumé, il chauffe. Il n'a pas explosé. Il surchauffe pas. Et la pression d'huile est correcte et stabilisée. Donc c'est bon. Le 2 est démarré. On démarre le 3. C'est bon. La vanne de démarrage s'est allumée. On vérifie le N2. Ça tourne à 20%. On peut lui balancer de l'essence. Tiens, prends ça mon pépère. Chouf. Ça a pas explosé, c'est bon. Le réacteur chauffe, tout va bien, c'est du kerbal. Allez, ça s'est éteint. Le 1. C'est bon. N2 à 20%. Allez, paf.
c'est pas allumer le beacon. Hop, voilà. Donc ça cligne. C'est ça le beacon. C'est la petite lumière rouge qui clignote en haut et en bas. Hop, merci Matorne. Bonjour les aviateurs. Bon après-midi de vendredi à vous tous. Bonjour, merci pour le 9e mois. Ça change de carotte, je crois, au 9e mois. Carotte de diamant. Pop, pop. Alors, hop, hop. Où on en est? Alors, on va vérifier le voltage pour la génératrice 1, la génératrice 2, la génératrice 3, c'est tout bon. Non, faut closer. J'ai 1, 2, 3, on laisse. Ça s'est pas allumé, donc c'est bon. Les frigos. On ouvre les 8 pompes. Tout s'éteint, c'est ok. Tu aimes le diamant. Hydraulique. Et on va pouvoir couper la PU. Donc on... trip. Et on peut couper. C'est bon, on a toujours du jus. Bon, le jour est en train de se lever. Ceci, il se lève là. C'est beaucoup plus nuit tout à l'heure. Alors. On isole les réacteurs. Le 1 va alimenter le pack de gauche, le 3 le pack de droite, le pack de d'air conditionné. La température pour l'instant. Ah oui, tant qu'on n'a pas ouvert les packs, la température monte pas. Ce qui est logique. Bon, donc on enclenche le pack. La pression baisse. Et là, ah voilà, la température augmente. Donc, comme il fait chaud. Je jour s'est levé sur une étrange idée. Merci Glampin. Ça me rappelle quelque chose ça. Alors les cargos, marchandises, les ventilateurs individuels on. On se met en flict. Hop, les lumières de secours on les éteint et on allume le logo pour que ça fasse joli. Ah, comme ça on voit la carotte. Oula, ouais, on voit la carotte. Alors, on arrête de fumer, on attache sa ceinture. On bout du grain. Ride slow. On teste ça, on oh, teste si on a toutes les voies. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. On met 20 degrés de volée. Sink rate. Pull up. Terrain. Pull up. Don't sink. Don't sink. Too low. Terrain. Too low. Gear. Ce qu'il dit J1, Clampin, c'est chez Nessa le concours de chansons. Ah, puis là c'était un peu téléphoné. Bank angle, bank angle. 100, 50, 30, 20, 10, 500. C'est pénible ce truc.
Au niveau repoussage, bah il n'y a pas à repousser, on est dans le bon sens. On va partir par là. Et puis on va remonter la 8. Donc on allume les lumières de taxi. Ouais. Là ça pétouille. On bouge pas, chef. Oui, il y a une tuture qui est prête. Normalement, on est déjà au point d'arrêt là, hein. Enfin au point d'attente, un petit peu avant. Qu'est-ce qu'on est censé faire avant de rentrer sur la piste? Ah, j'avais oublié de... Ah ouais, le roulage a été très court. De préchauffer l'essence. Bah, le temps de remonter la piste, ça va le faire, hein. Donc quand on pénètre sur une piste, on allume les feux qu'on appelle feux d'atterrissage, mais strobe navigation. Tac, on peut couper le logo et piche et tout. Auto break, RTO, les volets c'est ok et hop, on est parti. Envoyer les données là. Alors, on dirait qu'il avance pas l'avion, mais si, si, il avance. Hein. J'ai coupé la lampe torche. On n'a plus besoin.
Kane. Petit bout de raquette qui ne doit probablement pas être fait pour ce genre d'engin. Bon, il vire très très bien hein, cet avion. Par contre, le faire depuis le cockpit, c'est moins évident. Un petit coup de frein. Hop là. Ça tourne tout seul ces trucs là. On est même en avance sur l'horaire, on avait dit qu'on décollait à 16h. Donc on se rappelle du briefing départ, décollage en 08, on vire à droite et on se redirige sur le bord. Allez, on s'aligne. On peut s'atterrir. On peut. Hop. On coupe la réchauffe. De l'essence. Au niveau température, ouais, on va dire que c'est bon. Hop, hop, hop. Alors, bah c'est tout bon, on est prêt. On va se prendre un top, non top chrono. On va en prendre un, on le changera tout à l'heure. Quelle heure il est là? À la boussole. Il est 5h51. Allez, on décolle. Bonjour monsieur Digan. Alors, oui, on va décoller sans les packs. Pour avoir plus de puissance. Il faudra penser à les rallumer après. Et on accélère, on lâche les freins après l'accélération. Allez, on lâche. Voilà. On décolle vraiment très court. Hein. Allez. On rentre le train. Pilote automatique. Et on vire à droite. Est au 270. On va au 270.
200 nœuds. J'ai rentré tous les volets. Alors le bord il est parti. Ouais. On est vraiment pas loin donc ouais, tout à fait, G1. Tu mets les gaz, tu tires le manche, l'avion fait tout le reste. Alors on doit vraiment pas être loin, mais on va aller rechoper la radiale. Notre cap, c'est 305. Hein. Donc en fait, surtout, ce qu'on va se chercher... chercher la radiale 305. La voilà, c'est tout crapoteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les phares. On désengage le frein automatique. Et on monte à... Ouais, je suis à 80% de N1. Ah, peut-être 92% quand même. Hein. Hop. On va passer altitude de transition. Ah oui, c'est hyper bas l'altitude de transition, c'est 3000 pieds. Donc on passe en standard. Ah ouais, c'est hyper bas. Donc standard 1013. 2991. Hop. Monte fort là, 2500 pieds minute. Pop, pop, pop. On voit lisse, c'est par là. On le voit là, hein. On le devine. Donc, maintenant je peux vous détacher. Parce que vous avez été sympathique. On a passé les 10 000 pieds, oui, facile. Donc on va passer en... en IAS. Tac. Et on monte à... on va aller chercher le 280 nœuds. Ah oui, ça me fait penser que là, j'ai complètement foiré ma gestion de... Bon là, on fait un palier à 15 000 pieds, il va accélérer. Qu'on fasse les termes. On le fera peut-être après parce que le voyage va être court. On dira peut-être sur Minecraft après. Hein.
Imagine qu'on réussisse tout de suite notre superbe atterrissage sur piste courte. On n'a plus rien à faire, hein. On va être trop efficace. Trop efficace. Alors, température du pack, bah, c'est ok. 40 degrés, c'est bon. Ça doit être 45 degrés à 30 000 pieds. Ouais, c'est bon. On va le laisser comme ça. Là, on a quelle température là où on est actuellement? On est encore en positif, mais il fait 5-6 degrés. Donc on monte. Attention, on a rechopé le vore, la radiale. On va l'intercepter. Trop efficace, faut pas rêver non plus. Comment tu me brises mes illusions? Est du 0,97, il était du 0,98 même, c'est à dire qu'il nous pousse légèrement comme ça. On continue à bien monter. C'est Freno qui l'a écrit le script. Aïe aïe, je vais encore mourir. Ah tiens, pendant que j'y pense, on le remet au nôtre. C'est pas ça que je voulais regarder. Au niveau essence, on est bon. C'est bon. C'est bon. Ici, c'est bon. Fait pas trop froid les gens. Vous avez 20 l'écho elle est à 22 degrés. Vous avez pas un peu trop chaud peut-être? On va voir refroidir un petit peu là. Ah, il y a un truc que j'ai oublié surtout, c'est que le pack, je les ai pas ouverts. Du coup, l'altitude des cabines, il vous fait descendre. Oula, j'aurais dû les renclencher tout de suite. Que Fredo était tout bleu à côté de moi. Non, en température, vous êtes à... Vous êtes à 21 degrés. J'ai même envie de vous refroidir un petit peu plus encore. Tiens, on va vous mettre en cool. Le réglage, il est sur cold. Alors que si on met... Ah ouais, 20 degrés quand même là. Ouh, c'est frais. Et à l'arrière,
Ah, c'est presque mieux à l'arrière. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, on a combien? 26 000. Bon, on s'approche doucettement de notre... Alerte. Tiens, on va changer de drapeau. Et donc on va voler en économique, on va se mettre à 75% de N1. Là, hop, on a chopé l'altitude, on va se stabiliser, l'avion va accélérer, mais on va lui couper les papates. 75% de N1, voilà mon pépère, c'est bien, ce qui nous fait moins consommer puisque notre fuel flow il est à 2000 pph multiplié par 3. Donc actuellement notre vitesse est de 0.72 Mach. On est à 67 nautiques de Wallis. Pop pop pop, on a 400 nautiques à parcourir. Ah ouais, il y aura un petit choc thermique, Psydes, hein, ouais. À l'arrivée, ça va être du 30 degrés. Maintenant, tu peux sortir sur les ailes, hein. Tel un chanteur d'un fameux groupe de boys band. Il fait moins, un petit peu en dessous, moins 10. Ce que j'ai pas fait, c'est qu'à combien il va falloir quand même estimer l'arrivée. Pour calculer la descente. Fait descendre à 93 nautiques de l'arrivée. On va créer un point ici. J'aurais pu voler pour économiser plus. Ouais, mais après, plus tu voles haut et plus tu consommes pour monter, alors. On est d'accord que là, tu n'utilises pas de bord. Si, j'utilise le bord de Wallis. Hôtel Oscar India. Normalement, je suis bon.
Me dis pas que on n'est pas bon. Alors on n'a pas de système de dump de... hydraulique braque interconnect. On n'a pas de système pour vider les réservoirs. Donc là, c'est quoi ces trucs là? Shoot off. Alors, c'est pour arrêter les moteurs. Je pense pas qu'on ait de système pour vider en urgence les trucs, comme il y a sur certains avions. Ouais, donc on va faire des petits calculs. On continue au 305, mais surtout là on a 93 nautiques, donc là on avait 299. Là c'est 40 minutes. Donc là il reste 13 minutes. Mettons, hein. Donc 40 minutes. Ah, j'ai pas pris de top. Vertical balise. Ah, brin de brin. Tant pis, plus la montée, on va rajouter 5 minutes. Ça 16h30. À 6h36, estimé, on se met à descendre. Je suis pas un petit mot de bug, hein. Je suis pas un petit, hein. Donc à 36, il est 11. C'est tout bon. Bon, par contre, à 75% de NA, on est d'accord que la vitesse, elle est raisonnable. On fait 0,72 de... .072 de vitesse Mach. Il fait, à part les nuages, il fait super beau. Bon, normalement il fait nuit, hein. Mais ah, il y a quand j'ai oublié de nettoyer J1, encore oublié de nettoyer chez Carieux. On est parti de Wallis et Futuna. Salutone Air Connection. Et donc on va à Funafuti, au Tuvalu. C'est une photo d'un atoll. Et là, l'altitude moyenne est de 3 mètres. Juste avant la mairissage, il y en a qui ne savent pas nager. Postac Maison, ça veut dire bon après-midi. Et Bonan, c'est bon après-midi. Bonan, Postac Maison. Post-tag. Toutes les lettres se prononcent. Donc s'il y a deux T, il faut les prononcer. Post-tag. Faut bien dire post-tag.
et non pas post-tag. Donc c'est post-tag mes hommes. Sinon au niveau ADF, standby normal, override, override. Je pense pas qu'on le capte d'ici. Ça m'étonnerait. Donc à l'arrivée, on a juste un DME et un ADF. Et a priori, vu le temps qui est annoncé, on fera une approche à vue. Tuc. On a un ADF, donc on pourrait faire une procédure d'inversion, hein, pas de problème. Comme d'hab. Tu vois, on va peut-être même se faire ça quand même. Quand on est parti, la météo nous disait... vent du 0,60 sur Funafuti. Avec un vent du 0,60, ça va être la 0,3 en service. On peut se prévoir, donc c'est une 0,32. À la distance par rapport au bord est de moins 0,4 nautiques. Je vais remplir mon tableau, ça sera fait. Les eaux, c'est milieu, c'est midi, donc je ne sais pas de quelle langue ça vient, mais 75% des racines d'espéranto sont du latin. Il doit y avoir un chouï de grec, un petit peu d'anglo-allemand, un petit peu de slave, de russe slave, et puis c'est tout. Ça fait déjà pas mal. C'est NGFU. Piste 3. 0,32. Altitude 4 pieds, je crois. La balise. Pour info, hein. C'est FU340. Distance de la piste, on a dit que c'était moins 0,4. Donc la verticale est à faire à 2884 pieds. Et on peut se prévoir un hippodrome au 200. J'ai dit combien? 2800. Pieds.
Donc ça sera une entrée dans l'hippodrome perpendiculaire. On arrive ici, on se fait un truc comme ça. On compte 45, on compte non, je sais plus combien, 20 secondes. Virage à droite, on reprend l'hippodrome ici. Et là, on fait l'éloignement. Hop hop, virage à droite et on revient. Et là, il devrait pas y avoir de problème de se taper une montagne ou un truc comme ça. Maison, ça vient du langage SMS, c'est là où tu vis, Jéwan. Ouais, donc meso en italien, donc ça doit venir du latin, à tous les coups. Et là, on a mairie. Essayez de bien faire les choses. Bon, on a perdu le bord. On a perdu le bord. Donc on va basculer sur le DME 113-30. Bon, il nous indiquera une notion de distance. Je pense pas qu'on ait une direction, on sait rien. Je sais pas du tout les DME, je les utilise très peu. Mais est-ce qu'il nous indique la source? Parce qu'on a déjà tapé une montagne. Ben, un peu. Ben. Il est combien? On a prévu la descente à... À 36. Il est 21. On va faire une pause technique. Je vous laisse avec Sean comme copilote. Voilà. Et on va goûter. Allez, on va regarder mes os quand même. Mort. Méso, c'est milieu. Méso nocto, c'est minuit. Là.
s'ensuit un deuxième crash. Il y a eu un deuxième crash? Non. Midinet. Comment ils traduisent Midinet? Pariza, Pariza Kudrestino. C'est une honte, c'est une honte ça. Donc midi, tac, meso. Le milieu du jour en fait. Hein. C'est pas comme si on voulait censurer, je sais pas moi. Non, on a dit pas de politique. Vous avez vu les gars? Vous avez vu les grands démocrates qui disent Elon Musk il rachète Twitter. Il veut faire il veut rétablir le free speech, la parole libre, dans le respect de la loi, des lois, hein, donc pas d'appel, pas de trucs illégaux, pas d'appel au meurtre, etc. etc. Et les mecs viennent te dire c'est antidémocratique. Ah bah oui, on va plus pouvoir censurer les gars qui vont pas dans le bon sens. Me la dites pas maintenant, puisque vous le savez si vous le voyez sur le site de la map. Mais j'aimerais bien que tout à l'heure vous me disiez à quelle vitesse sol j'étais. Maintenant. Bon, au niveau indication, je suis à 0,72 Mach. Donc vous me direz ça tout à l'heure quand tout sera arrivé. Et qu'on fera le... Enfin, si vous y pensez. Essayez de le noter dans un coin, puis vous me le direz. Ça sera intéressant de savoir à combien correspondait ma vitesse à 75% de N1 à 28 000, au niveau 280, petit patata. Normalement, J1 affiche deux vitesses, la vitesse indiquée et la vitesse sol. Ah, quelle horreur, j'ai pas pris. J'ai pas ma boisson. Ah, je vais mourir de soif. Hôtesse, hôtesse. Au désespoir. On a dit qu'on descendait à 36, hein. On n'a encore rien capté. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Je crois qu'on va pas vite du tout. Quand on regarde ça, hein, d'habitude on vole à 0,8. Là, si on est à 280 nœuds,
Parlons de soif, y a pas un bar dans ces zones. Si, mais c'est un supplément psydès. Hein. Les cacahuètes et les carottes. Les cacahuètes sont offertes. Mais pas les boissons. On est pas sur Air France. Quoi que sur Air France. Quand tu vois le prix du billet, tu les as payés les boissons. J'étais muté. J'étais en train de dire. Tes enfants sont encore là. J'ai encore le droit des cookies. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller au Tuvalu avec un 727? Trop court les cookies. Bon, on va se mettre en descente, on va se commencer à se préparer à la descente. Je vais vous demander de vous rattacher. Le cooling d'or, la température c'est ok. Il est 36. On capte toujours rien là. Pas d'info. Pas d'ADF, pas de TBE. Là il est 34, on va encore attendre un peu. Le temps que les derniers ils sortent des toilettes pour
chef, ma ceinture veut pas se fermer. Une charmante hôtesse va venir t'aider. Il vibre pas trop ce coup-ci. Comme quoi quand on met pas la pêche comme un malade, hein. Ah si, il vibre un peu. Quand on met pas la pêche comme un malade, qu'on vole pas 0.8, il fallait pas abuser des cacahuètes gratuites, dit Mago. Pour des raisons de budget, la charmante hôtesse, c'est Raoul. Ouais, bah on va rester en vertical speed. Par contre, il faut. On a dit que c'était combien là? 2900. Un peu les gaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banzai! Geronimo! Soyez pas pessimiste les gars, ça va bien se passer. Donc on descend à 282, ça me paraît honnête. On est à presque 1500 pieds minute, allez on y va. On va regarder l'altitude de transition sur Fukushima. Funufati. Donc à 11 000 pieds, on est censé repasser en standard. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ATIS. Ouais. Voilà, on est censé être à plus ou moins 100 nautiques. Donc qu'on capte pas le DME, l'info DME, et qu'on capte pas la DF, c'est normal. Hein. C'est des trucs de proche, de proximité. Faut être à 25 nautiques par exemple pour le choper, je pense. Hein. Donc il n'y a pas de. N'angoissez pas, hein. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pour monter le moral, un peu de musique qui va bien. Température redevient légèrement, va bientôt rebasculer à une température positive.
Ah oui, alors quand j'ai fait ça, ce qu'il faudrait pas que j'oublie de faire, et que j'avais oublié le trou, c'est d'armer la sélection d'altitude. Le maintien d'altitude. Sinon, quand on passe de 1900 pieds, il fait rien et on continue de descendre au standouille. Ouais, bah ouais, J-Wan, voilà, maintenant tu les as tous mis en panique maintenant. Hein. Ah bah bravo. Hein. Ah ouais, on est à 60% là. Même moins que 60%. Et on... Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oula, tabasse. Allez, on va réduire. On passe à 55%. Oula, on est dans les nuages. On perce, on perce. Normalement, à la sortie, on devrait voir l'île. On devrait voir l'atoll. Moi, je suis sûr qu'on va voir l'atoll. C'est la mer, ça, ou c'est... C'est un atoll, ça. J'espère que c'est pas le nôtre. Il y en a d'autres sur la route d'atoll. Ah si, ouais. Si si, il y en a d'autres. Ah, ça veut dire qu'on serait là. C'est celui-là qu'on vient de voir. Ouais, quand on regarde sa forme, il a une forme de guitare. Dring, 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 dring. Da 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 da. Ouais, donc c'est bon, on est sur la route. Toute la sainte journée. Donc c'est tout bon. On doit être ici. C'est Pépé Sala. Ça veut dire qu'on est dans les îles. Dans les Tuvalu. Donc on va changer le drapeau. Normalement, j'ai le drapeau des Tuvalu. Tuvalu ? Tuvalu. Tuvalu. Il est très original, le drapeau des Tuvalu. Hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Très, très original, ce drapeau. Et oui. Ils ont une reine. C'est la reine d'Angleterre. Original. Original. Et puis, comme très souvent, surtout dans le sud, on voit une constellation. Bah après c'est quoi l'Alaska où il y a une constellation? Il y en a un, c'est la Grande Ourse. Pop pop pop. Alors au niveau vitesse, on va ralentir un peu. ...50% de N1. On pourrait lui mettre un coup d'aérofrein. Hein. C'est Alaska la Grande Ourse. Ok, c'est T1. Par contre, c'est un peu crapoteux. On observe quand même, hein. Mais devant, il n'y a rien. On est trop loin. Ah ! On a l'ADF. On capte l'ADF. Et eh ben relèvement au 310, donc on va au 310. Hein.
va mettre le cap de la piste, c'est 0,32. Bon ben voilà, ça roule. On a même réduit un peu. On est à 290 nœuds. Ouais, on a une assurance, ouais, la Z Life. Ouais. G1, si tu le veux. Tu parafes les 41 pages et tu mets lui approuvé suivi de ta signature sur la 42e. Faut pas que ça soit signé avec du sang. Du sang humain. Hein. Pas forcément le tien, ça peut être celui de ta femme ou tes enfants. On va lui réduire encore un peu. On va mettre 45% de N1. On est à combien? 13 000 pieds. Il faudra qu'on soit à 250 nœuds à 10 000 pieds. Hein, c'est important. Mais avant à 11 000, il faudrait régler les altimètres. Si on a capté l'ADF, on dit qu'on a capté le, on peut capter la radio. Blablabla. Funafati. Ah non, il n'y a pas de, radio VHF. Voilà, on dit qu'il y en a une. Hein. Ils savent qu'on arrive, alors on va regarder les options météo. Vent du 0,59 à 10 nœuds. Euh, 29,74. Oh, bah c'était la même que quand on est parti. 29 degrés. Au prochain vote, il faudra proposer, après avoir tous embarqué, qu'on soit en bout de piste pour la proposer. Ah bah ouais, qu'ils puissent pas sortir, les gars. Ah ouais, normal. Bah ouais. On est à 12 200 pieds, donc on arrive à... On va anticiper. On repasse en 29,80... En 29,74. Hop. Je vais baisser un peu la musique. Mètres. On va mettre 500 pieds. Les réservoirs, ça doit être bon. Ouais, il nous reste 5000. Pop. C'est excellent tout ça. On en profite pour zioter un peu les températures. C'est ok. Hop. Donc 10 000 pieds, on est beaucoup trop vite. C'est bon, on va être pile poil. 250 nœuds. Voilà. Il faut plus leur dépasser maintenant, mon gaillard. Voilà, 10 000 pieds, 250 nœuds. Alors. On allume les feux d'atterrissage. On se met sur max. Et ça roule. Alors, on a une légère dérive. Et avec un vent 0,59, on a le vent qui pousse un vent qui pousse de l'ouest. On va forcer un peu le trait. On est à 8800 pieds. On a l'information DME, on est à 11 nautiques. Alors le DME,
Il est là où il est sur la DF. Hein. Donc, donc c'est au 200. Donc on va prendre un cap 290. Alors c'est 290 pendant 20 secondes. Virage standard au 0,20 et on vole pendant 45 secondes. Huit nautiques, normalement on devrait le voir. Ah ouais, il est là. Ok. Bon ben voilà les Tuvalu. Tuvalu. Milieu est indiqué. Non, c'est pas depuis le début, c'est moi qui l'ai mis. C'est le c'est mon petit tableau qui me dit à combien je dois calculer le la hauteur de ma manœuvre, de ma procédure d'inversion à l'arrivée. Alors, il faut que je lance mon K-timer. Il faut que j'ai secondes. Donc au début on l'avait mis à 28 000 pour monter au niveau de 280 000. Quand on descend, on le met en, on le met à l'altitude où on veut descendre, donc là 2900 pieds, et on arme la sélection d'altitude. Là, attention, on est à 2 nautiques. Ouais, on va passer au-dessus. Donc dès qu'on passe, on prend le cap 290. Voilà, on déclenche le chrono. Tap. Et cap 290. Alors on est un peu vite. Alors le 300 il est là. Le 290 il est là. Et on va lui mettre un coup de frein. Déjà ? On a à peine fini le virage. Bon ben cap au 0,20. Tu vas trop vite mon pépère. Et là 45 secondes. Tu as combien? 4000 pieds. Hop, on remet en normal. À la fin des 45 secondes, virage à droite, on revient au 200. Hein. Donc là, on a dû faire un pop, voilà. Vitesse est de combien? Un peu élevé. On va lui mettre un cran de volée, ça va le calmer. En fait là on doit revenir en fait sur la balise. Hein. Et la balise. Alors le DME on n'a pas de direction. Hein. C'est ce qu'on pensait. Donc la balise elle est au 170. Peu plus, elle tourne en même temps. Elle va être au 174, 175. Et le DME nous indique 6 nautiques. Donc
là on fait un retour balise. On s'est stabilisé à 2900 pieds, donc la vitesse va choir. On va lui en mettre un petit chouille. On lui met du volet parce qu'on va pas vite. Et donc dès qu'on est sur le... Donc là on est en train de revenir vers la balise. Dès qu'on passe la balise, on prend un cap... Cap 200 pendant 3 minutes. Voilà. La piste. Elle est là. Ah ouais, c'est court. Hein. Donc on bascule. 3 minutes. Top chronomètre. J'ai dit combien? Cap 200. Mais non, normalement, je devrais être au... J'aurais dû être au bon cap. 180. Non, 200, c'est ici. Je vais trop vite. J'ai pas tenu compte du vent. Vent du 0,59 à 10 nœuds. Faudrait que je sois plutôt au 198. Tac. Et sinon... Voilà, 166 secondes, faut pas que je m'éloigne de trop. Donc la piste elle est là-bas, on aura visuel hein. Si on le sent pas et tout, on fait une remise de gaz et on passera en circuit de piste vent arrière classique, main droite, patati patata, on prend un virage à droite. On va maintenir les 190 nœuds. Faudrait prévoir un aéroport de déroutement, ici c'est lequel? Je pense que c'est retour à la maison. Vu que c'était un petit vol d'une heure, c'est pour ça que j'avais pris le double du carburant. Quand on regarde le carburant, j'ai pris le double de ce qu'il fallait. Et même un peu plus. En fait, on a vraiment peu consommé. Et donc j'avais prévu que si jamais il y a un problème, on rentre à la maison. Parce que là, déroutement, il n'y a pas grand chose. Hein. Alors, ça va être bon. Et virage à droite. Ou 0,32. Ou 0,34 puisqu'il y a une dérive. Je fais un nouveau truc, là je prépare la machine en sortie du virage.
ça va très vite en fait. Là on peut tout sortir. On va sortir le train. Dès qu'on sera rétabli. Là, vous allez pouvoir enlever les gilets. On est à 180 nautiques. 182. Donc on arrive en face. Allez, on sort le train. Donc là, on fait gaffe à la vitesse. On va maintenir. On l'a sorti en fait. 110 de VRF. Donc ça va faire 115 et il y a 10 nœuds devant. Ouais, mais il est quasiment en face, ça va faire 120. 120 de VRF. On va se mettre en descente. De voler, on va mettre 20 degrés. La télé. Salut Fredo et merci pour l'abonnement. Bon, Fredo, 33 mois. Bisous bisous. Ce qu'il faudrait pas faire, c'est atterrir sur la. Faut pas être trop long parce que c'est de la flotte derrière. Donc Hotbug disait, ouais, j'ai le beach, je le préparais avant, mais je vire trop serré avec le Boeing. Et donc là j'ai fait un essai pour. Ah bah tu vois c'est pas bon. J'aurais dû préparer avant. Alors on va repasser en pilote en manuel. Hop. On est un peu élevé. On va réduire. Et on va sortir surtout les 30 degrés de volée. Hop. Attention à la vitesse, c'est 120. Oh 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 oh. Du 0,59, il est légèrement sur la gauche. On est à 120, la vitesse est ok. Voler. Ok. Un peu et on plonge un peu plus parce qu'on est un peu haut. Allez, on récupère le plan. Il n'y a pas de papy, hein. On n'a pas d'aide. Jusqu'ici ça va, c'est pas mal. Minimums.
Ah, on continue. Attention à la vitesse. 400. Free 100, 300. Les gars, ils doivent être heureux de venir passer un gros bazar juste au-dessus de leur tronche. Après, je leur amène du courrier, les gars. Hein. Il y avait même trop de pistes, les gars. Quand il dit du courrier, tu veux dire des factures? Bah ouais, bien sûr, hein. Il y a tous les frais de remblaiement de l'île, là, pour pas qu'il coule. Bon, et bah voilà, c'est le métier qui commence à rentrer, on va dire. Alors, je crois qu'au niveau parking, c'est hyper limité, ici. Bah, il est là, le parking, non? Ah, puis il y a quelqu'un. Ah, y a peut-être un autre truc là-bas, mais c'est pas évident. C'est quand même tout près des maisons, tout ça. Hein. Cessna, tu dégages. C'est à moi. Pourquoi il s'arrête? Ah, il est toujours en reverse. Tac. Merci. Parking, c'est de l'autre côté. Moi, j'en vois un là. C'est le général aviation là. Il y en a qui se sont fait un peu souffler là. C'est pas grave, c'est pour la gloire. Sauf ils sont pas. Après ils vont couler. À la prochaine tempête, ils sont submergés. Les pauvres. Donc on en parlait en début de live. Les Tuvalu, c'est le 1. Le pays dont le code internet se termine par TV. Alors, il y a les .fr, les .uk et il y a les .tv. C'est les Tuvalu. Twitch.tv, c'est un site internet des Tuvalu, bien entendu. Et deuxième caractéristique des Tuvalu, c'est que l'altitude moyenne, c'est de 3 mètres. Et donc, vous avez bien compris que ils ont des petits soucis. Ils ont déjà perdu du territoire, ils continuent d'en perdre. Donc, ils ont des projets de remblaiement et de remontée du truc, mais... Alors, pendant qu'on fait ça, on coupe à 30 degrés, il n'y a plus besoin de chauffer le pare-brise. Chauffage pitot, on coupe aussi. On va peut-être couper un peu de phare d'atterrissage. Le transpondeur, on est censé le couper aussi. Plaque. Le radar météo.
plaque. T'es sûr qu'il y a un parking par ici? Ah oui, il est là. Ah, mais il y a quelqu'un. Bigre. Ah, j'ai eu peur. Ah, là, j'ai eu peur. Hein. Non, mais c'est quoi cette route là qui traverse tout? On fait l'HQ à son boss Twitch. Bah, faudrait qu'il me paye plus, ouais. Ça va être serré, les gars. Hein. Piste dégagée. Ah ouais, c'est très serré tout ça. Oh, pardon madame. Non, mais ça passe, hein. Bon, faudrait pas qu'il y en ait un qui atterrisse trop près et il va manger la queue. Alors, je vais avancer un petit peu. C'est bon. Là, c'est mieux. Collé serré. Tu bosses? Non, tu dors. Ouais, tu dors. Ouais, non, tu bosses. Bon, fin d'atterrissage, part de roulage, feu de position. Navigation strong, sans entrecoupée. Tac, tac. Le beacon, on le coupera après. Transpondeur, donc chauffage, vitre, transpondeur, chauffage, vitre, radar, météo, air conditionné. On remet sur ground. Hop. Ils éteignent les frigos là, les gars. Ils sont malades. Et les cacahuètes. Félix dit que sur certains aéroports avec un faible trafic, un vol par jour, les avions restent sur la piste. Ouais. Elle est où la passerelle pour descendre? Clampin, il faut attendre que les moteurs soient coupés. Et pour ça, il faut... alors, aft, off. Aft, off, 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 off. Pour ça, il faut que je démarre la PU. Hop. Alors très souvent, bah là il n'y a pas de roulage, mais en fait toutes ces actions là sont menées pendant que l'avion est en train de rouler. Dès qu'il a quitté la piste et qu'il est en train de rouler, bon, les trois membres d'équipage, plaque, 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 ils font ça et on n'a pas à le faire. À la limite on arrive, on peut tout de suite décharger. Donc là faut attendre que la PU démarre. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder c'est la température que vous avez là, les petits gars. Toujours 20 degrés. Vous ferez attention, il fait 30 degrés dehors. Hein. Ouais, 30 degrés dehors. Un petit 10 degrés de différence là, puisque je vous avais mis à la cool. Avec moi, avec la Z Airlines, vous êtes toujours bien chouchouté. Vous aviez 20 degrés à l'avant et oh, 19 degrés à l'arrière. Non, je disais bien décharger, ouais. Quand il s'agit de certains clients... où on en est? Est-ce qu'elle a démarré la PU? Oui, donc on tripe. Non, on close. On close. Clac. Donc, on va pouvoir mettre en essentiel power la PU. C'est ok. Hop, 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 hop. On isole, enfin on ouvre pour que la PU alimente tout. Et
on peut couper les trois réacteurs. Voilà. Tchoc, 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 tchoc. Ils sont coupés. Du coup, je peux aussi couper les données. Hop. Je peux... Et je peux vous libérer. Ah, est-ce que vous... Hop. Attends, dernier truc à faire, couper les pompes de fuel. Et voilà. Vous ferez gaffe en sortant, hein. Vous n'allez pas tout droit. Il pourrait y avoir un avion qui atterrit. Hein. Bon, moi j'ai encore la PU qui marche là. On est là dans 7 minutes, la visite de l'île sera rapide. Non, alors quand on regarde le site internet, la page Wikipédia, elle est quand même assez fabuleuse. Tuvalu. Ah, attends. Ils ont tellement de trucs à dire. Géographie, c'est ça, l'eau potable est rare. L'eau douce provenant des lentilles d'eau souterraines, une sorte de nappe d'eau des atolls, est souvent impropre à la consommation en raison de la pollution, élevage de porcs, et l'eau potable doit être importée et récupérée à partir d'un système de recollection des eaux de pluie installé dans les maisons. Où est-ce que j'ai lu le truc avec... Ils font de la pub pour l'hôtel. Ah. C'est quand même pas quand on est sur Funafuti. Ah si, peut-être, j'ai été voir Funafuti, peut-être. habitants. Hein. Non, c'est pas là. Je sais plus où... Ils ont fait un vote pour savoir s'ils allaient garder Elisabeth II comme reine et il n'y a pas eu assez de voix et donc ils l'ont gardée. Ah oui. Un nombre restreint de touristes visitent l'archipel chaque année. Il n'y a qu'un seul hôtel, le Vaiaku Langi Hotel, situé à Funafuti, c'est là où on est. Et donc l'hôtel a sa page Wikipédia. Infrastructure hôtelière. Bon, ça a l'air sympathique. Et ce qui est marrant, c'est que l'hôtel fut construit avec l'aide financière du gouvernement de Taïwan. Et puis voilà, ils décrivent, il y a 16 chambres dans la nouvelle section, en plus des chambres supplémentaires dans l'ancien complexe. Ils possèdent un bar, un barbecue et une piste de danse. L'hôtel appartient au gouvernement, il a été récemment rénové pour répondre aux besoins touristiques en pleine expansion au Tuvalu. Et le Wednesday Night Buffet Dinner est un événement particulier organisé par l'hôtel. Il est suivi par une danse tuvaluane. Donc ce soir,
Wednesday Night Buffer Dinner. Voilà, vous êtes tous invités là. Voilà, voilà, voilà. Ah, on a même le site officiel. Ah, brin. Ah oui, mais c'est peut-être normal. Attends, parce que... Ah non. Ah, welcome to Funifati Lagoon Hotel. Ah là, c'est Lagoon. Ouch. Et c'est, la photo est sympa quand même. Hein. Ça donne pas envie. C'est quoi ça, le buffet des boissons? Ah non, les gars, grande taille. Qu'est-ce que c'est que ce, boulot là? Location. Ah, location, ça, c'est pas pour louer. Bon, ben voilà. Hein. La galerie, pas terrible. Hein. Par la tortue là. Ah, la tortue elle est jolie. La couleur de l'eau elle est assez géniale quand même. Hein. Wednesday c'est mercredi et là on est Friday. Ah zut. Ouais mais hé, on s'amène à quoi? On s'amène à 30. Le Wednesday ils vont le faire le Friday. Hein. Bon, on en est nous. C'est pas tout ça, on a débarqué les passagers. Avec le copilote, on rigole bien. Ah, ça y est, on est débarrassé de tes poivrons là. Bla 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 bla. Où on en était? On va couper les packs. Laisser chauffer un petit peu. Donc, anti-collision, anti-ice, signure le pompe. Ground power switch, ça c'est close. On coupe l'hydraulique. Tac, tac. On ouvre tout ça. On va fermer les packs. Il faudrait allumer les lumières. Deux sorties de secours. Et puis, bah voilà. On reste pour la semaine, donc on coupe la PU. Off. Et puis on coupe la batterie. Pap. L'avion est parqué. Voili voilou voilou. Extra 10 si elle est toujours là. Mercredi on va à la fête si elle est toujours là. Non mais elle va pas couler. En plus vous avez vu sur le site ils ont un... ils ont quand même prévu des trucs pour ils ont quand même des trucs prévu des trucs pour hop. Alors vendredi prochain ben, on redécollera de là. Tiens, on parlait de Taïwan. Donc décollage court. Et puis on va aller, où? On va au Samoa. À Apia NSFA. Ah, une piste de 10 000 pieds avec un ILS. Ça a l'air plus grand les Samoa. Hein. Donc, comme destination, 608 nautiques, c'est un petit peu plus loin. Donc, on a fait. On était là.
on a fait ça, on va refaire ça. Il n'y a pas grand chose encore sur les routes. Hein. Sur la route, ça va être du vol, encore du vol maritime. On va juste passer au-dessus de Mogadiscio, 1857 mètres. Là, c'est pas de la rigolade. Et voilà. Apia. Là, c'est de la grosse île. Hein. Il y en a une autre ici. Pago Pago. Ah, 10 000 pieds aussi de longueur. Tafuna. Bon, donc c'est les Samoa. On va là. La semaine prochaine, on va là. On va se regarder le... On va se regarder le replay. Ah ouais, je voulais savoir la vitesse, ouais. Donc à 0,60... J'étais à 0,72 Mach. Tu as bien fait de faire le plein. Ils doivent pas avoir beaucoup de stock. Ouais, c'est sûr que... En plus, ils sont ouais, ravitaillés en bateau. Impeccable. De ouais, je suis à 500 pieds, 600 pieds minute. Réduction des gaz. Donc là, j'ai poussé sur le manche hein, pour faire la roulette atterrisse et là reverse. Et on avait de la marge. Et on avait de la marge. Ouais, pas mal, pas mal du tout. J'espérais pas j'espérais pas faire aussi bien Tout s'est super bien goupillé. Je dois dire que tout s'est super bien goupillé. Je vais couper ça. On va aller voir. Ouais, j'ai viré un peu court. Donc le problème, c'est que j'ai loupé le... la verticale terrain, je l'ai loupé. Et après, on a un petit peu tricoté. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Donc première partie du terrain, pile sur la radiale. Après, on a perdu la radiale. On voit qu'il y a une légère dérive que j'ai corrigée quand on a capté machine. Ouais, alors donc quand je suis ici... Ah ouais, il m'affiche la vitesse. C'est pas évident à lire. Hein. Tu me dis 458, mais... Pop, hop, hop. Tu pourrais me faire le cadran plus grand. Alors après, bon, c'est fait notre descente. Descente... pas trop mal gérée. Donc intégration dans l'hippodrome. Pop 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 pop. Bien. Alors là un peu trop rapide. C'est pour ça que c'est il est un peu déformé comme ça. Hop, ici retour sur la balise. J'ai viré un petit peu trop tôt. Et
Et du coup, là, donc j'ai pas fait la préparation machine avant. Si j'avais fait la préparation machine avant, j'aurais fait un virage plus court puisque j'aurais été à 150 nœuds au lieu de 200. Et là, je serais peut-être sorti pile poil en fait. Alors que là, il a fallu que je recorrige pour venir me réaligner. Donc, moralité, faire la préparation machine avant le virage. Shift plus. Je crois que j'ai fait une bêtise là. C'est compliqué. Hein. Zoom. Ah. Ah bah voilà. Là on voit clair. Attends, stop, stop. Et il m'affiche 482. Ah non, le 4... Ouais, là, et là, je suis à 500 nœuds, là. Ah, puis en descendant, disons, après, je ralentis fort. Ouais, ici, là, je suis à 490 nœuds. Ça fait beaucoup, hein. 481, ça fait 0.72, c'est ce qui m'affichait. Donc, au niveau temps, je devais pas être si mauvais que ça. Parce que, attends, j'avais... Ah ouais, mais j'ai rien noté après par derrière. Parce que moi j'avais compté avec une vitesse de 450 nœuds. Je suis. Non, j'étais pas si lent que ça. Parce que si j'avais été rapide, si j'étais descendu en comptant ma vitesse de 450 nœuds, je serais arrivé trop haut. Bon, tu vas me dire, j'étais un petit poil trop haut puisque j'ai fini de descendre dans l'hippodrome. Hein. Ok. Ok, ok, ok. Autant pour moi. Non, mais quand on regarde la courbe la courbe de la descente, là c'est quand. Alors attends. Je suis arrivé à la. Ah oui, 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 ok. Hop. Oui, à la fin de. Dans le virage de l'hippodrome, j'étais à la bonne altitude. Ouais, donc c'était pas dégoûtant quoi. Il n'y a pas d'image dans les compteurs, c'est que des CSS, donc des vecteurs. Ah ouais, ok. Ouais, ok. Bon, bah impeccable. Bon petit vol. Du coup, ça aura vraiment fait un vol de... un live détente, au calme. Cool. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pas finir par un crash. Non mais faut quand même le signaler quand tout se passe bien quoi. Sinon hein. Donc je zoome comme je veux. Ouais. Je remets à 100%. Là on peut glander. Ouais je vais glander. De toute façon il y a du monde qui arrive là. Il va falloir quand même qu'ils récupèrent leur tuyau hein, chez jeunes. On va pas les garder pendant un mois. Après, plus de cookies par contre. Ça veut dire plus de petits-enfants, plus de cookies. Oh, des images perdues. Bah ça tombe bien. On va couper là. Ouais, il est beau cet avion, ouais. Il est beau et puis il est bien réalisé, il vole bien, il est vraiment agréable. Il est vraiment agréable à piloter. Bon, je leur fais de la pub, hein, mais ils m'ont pas payé. C'est moi qui l'ai payé le truc. Donc je peux. Non, il est vraiment sympathique. Bon, puis ça correspond complètement au style d'avion
Que j'aime, ancien, avec des cadrans, des boutons. On peut voler en manuel quand même, ou en automatique, mais juste pour se soulager. On pourrait se faire un vol manuel presque sans problème, quoi. Un peu comme on faisait avec le Castor, où j'avais pas de pilote automatique sur le Castor. J'en avais pas mis. Et j'aurais pu, hein, mais j'en avais pas mis. Et on prenait quand même pas mal de plaisir. Bon, là, la charge de travail, ça va plus vite, donc la charge de travail est plus imposante, surtout en live où on a plein d'autres choses en plus à faire en même temps. Donc le fait d'avoir un pilote automatique de base, c'est quand même agréable. Je viens de terminer la lecture des 41 pages, c'est de l'arnaque. On peut le nettoyer, l'avion il est pâle. C'est surtout le pare-brise. Là ça se voit encore sur ciel blanc, ça se voit pas. Mais après on avait 10 nœuds de vent en contre, hein, presque. Ça aide, hein, 10 nœuds de vent. Ça aide pas mal. Voilà. Et ben je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci au modérateur, merci au donateur. Fredo, tu peux te réveiller. Merci à vous tous. Donc on se retrouve pour le vendredi prochain pour du X-Plane à 15h. On se fait le vol Tuvalu Samoa. Encore des noms connus, ça, hein. Samoa. Et puis qu'est-ce qui nous restera dans la besace après? Ah ben, dans 15 jours, papette. Dans 15 jours, papette. Qu'est-ce que c'est? Et merci, Papa Ours, pour ton raid. Ah, on finit le live. Bienvenue au Papa Oursienne. Non, Oursonne. Et Papa Ourson. Ah ben non, les oursons et les oursonnes, c'est les petits. Ah ben non, c'est Papa Ours. Et les Papa Ours. Sans eux. Bienvenue. Salut Papa Ours. Donc nous on vient de terminer notre live. On a réussi à poser notre Boeing 727 sur une piste courte, 1500 mètres, hein. Ça c'est peut-être pas... Bon, on était léger et on avait un bon vent contre. Après au niveau réalisme ouais. Bon, il est posé, c'est le principal. Donc prochaine étape, les Samoa, et dans 15 jours, Papette. Dans 3 semaines, Ivaoa, l'île de Brel, aux Marquises. Par contre, on va avoir un problème parce que... Ah non, 5200 pieds. Si on arrive à redécoller de Funafuti, où il y a 5000 pieds, on arrivera à redécoller... Divaoa qui fait 5200 pieds. J'avais mis trajet à faire en Beach D50, il n'y a pas de Beach D50 pour X-Plane 11. Freeware, gratis-ciel. Donc comprendra, hein, le B58. Le BE58, j'ai mis B58, mais c'est BE58. Hein. B58, ça laisse penser que ça serait un bombardier, un Boeing, alors que c'est un Beach. Et puis voilà. Donc ça sera nous, on a quand même 28 étapes à faire, hein, sur toute l'Océanie. On n'est pas tout à fait au milieu. À Mururoa, parce qu'après il va où, on ira à Mururoa. Vive le nucléaire. Ça sera notre 14e étape. La prononciation, c'est pas ça. La prononciation de quoi? De bitch? C'est pas bitch? Pas bitch craft? Et vous avez vu que ça se termine comme mine craft? Bitch craft? Mine craft?
La 14e étape, c'est Godzilla. Ouais. Bon, on devrait pas être fier hein, des. Si on dit ah, la France, c'est nous. Ça fait déjà belle lurette que. Ils font tout sans nous demander notre avis. Mais. Bon, on a quand même fait des. Les Français ont quand même fait des saletés là-bas. Ah, Papette? C'est pas Papette? C'est Papéété? Papéété? Bon, je regarderai comment ça se prononce. On va regarder tout de suite, remarque, hein. On va regarder sur le Wikipédia, on devrait avoir la prononciation, non? Il n'y a pas la prononciation des trucs? Pas sur l'anglais? Papette en français? C'est incroyable ça. Prononciation. Oh bah c'est du brun, on l'a pas. Est-ce qu'il y a un point d'interrogation là? Enfin une espèce de point d'interrogation entre papé et thé. Ça doit dire probablement papé et thé. Il faudra que je me renseigne. Il faudra que je me renseigne. Vous avez vu les températures? Température en avril, température moyenne 27 degrés. Après, t'as 26, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 27. Quand c'est toujours la même température, pourquoi? Quasiment toujours la même température, tu t'embêtes pas à faire une température par mois, hein? Bon, voilà. Il me semble que le point d'interrogation met une pause, peut-être. Donc, faut dire papé et été. Papé et été. Papé et été. On va s'entraîner. On va s'entraîner. On a encore 15 jours pour le prononcer correctement. Oui, 15 jours pour se prononcer correctement, puisque la semaine prochaine c'est Samoa. Sinon, on se retrouve demain à 14h, normalement. Parce que demain après-midi, s'il fait, demain midi, s'il fait beau, c'est barbecue. J'aurai peut-être un peu de retard, mais normalement c'est 14h. On se retrouve pour du Holicube. Je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt. Au revoir. Adé.